My phone wasn't lost, man. It was stolen. Big Sam. Anything go! Juillet 2013, Rockstar Games tease officiellement GTA Online. Après une vidéo de gameplay impressionnante pour présenter GTA V, la firme étoilée surprend tout le monde en annonçant un mode en ligne que les joueurs n'allaient pas trop tarder à découvrir. Un mois plus tard, le 15 août 2013, GTA Online se dévoile au monde entier dans une vidéo tout aussi impressionnante. Rockstar nous montrait un aperçu de leur vision et ce qui allait devenir l'un des plus gros coups de l'histoire du jeu vidéo. 12 ans après avoir révolutionné l'industrie du gaming et les jeux solo avec GTA 3, Rockstar se préparait à révolutionner le monde du jeu en ligne. Mais à l'époque, ni Rockstar, ni Take-Two, ni les concurrents et encore moins les joueurs n'avaient prévu que GTA Online puisse changer les choses à ce point. Why did I move here? I guess it was the weather. 17 septembre 2013, c'est la sortie de GTA V. 5 ans après les aventures de Niko Bellic et notre virée à Liberty City, 2 ans après l'annonce du jeu, on avait enfin l'opportunité de découvrir les aventures de Michael, Franklin et Trevor. Il faudra attendre 2 semaines plus tard et le 1er octobre 2013 pour le lancement de GTA Online. À cette époque déjà, Rockstar prépare le terrain, car oui, GTA Online n'est pas le multijoueur de GTA V. GTA V est un jeu solo sorti le 17 septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360. Il dispose de son environnement, la ville de Los Santos et la région de Blaine County, de son histoire, de ses personnages. Il dispose de son propre logo, de son site officiel et de sa marque déposée. GTA V est le nouveau chapitre de la licence GTA, le 14e jeu après GTA, GTA London, GTA 2, GTA 3, Vice City, GTA Advance, San Andreas, GTA Liberty City Stories, Vice City Stories, GTA 4, GTA The Lost and Damned, GTA Chinatown Wars et GTA The Ballad of Gay Tony. Avec une sortie en décalé, Rockstar s'assure de deux choses. Dans un premier temps, que les joueurs prennent leur temps pour découvrir GTA V, son histoire, ses personnages, son univers. Dans un second temps, Rockstar commence à faire comprendre que GTA Online n'est pas GTA V Online, qu'il s'agit bien de quelque chose de différent qui n'est pas lancé au même moment. GTA Online est un nouveau chapitre de la licence GTA, mais surtout le premier et sûrement l'unique chapitre entièrement multijoueur de la saga Grand Theft Auto. Il s'agit d'un jeu additionnel qui va être étroitement lié à GTA V, mais qui est destiné à s'en éloigner au fil des années. Au départ, GTA Online est un jeu en ligne tout ce qu'il y a de plus basique. Rockstar propose aux joueurs de se retrouver en ligne pour découvrir l'expérience Grand Theft Auto entre amis. Des courses, des affrontements, des activités banales comme des sauts en parachute, des concours de bras de fer, des petits braquages de supérettes, de la personnalisation d'avatar et l'achat d'appartements. À cette époque, GTA Online peut clairement être comparé aux multijoueurs de GTA 4, mais sans les menus. Les joueurs qui souhaitent simplement se balader en mode libre, seul ou avec leurs amis, le peuvent. Ceux qui souhaitent s'adonner à des courses de rue, le peuvent aussi. Il y a quelques activités scénarisées avec des missions qui sont données par des visages connus des joueurs puisqu'ils les ont déjà rencontrés aux côtés de Michael, Franklin et Trevor dans GTA V. La principale nouveauté concerne la création de notre avatar et la possibilité de posséder des choses. Vêtements, armes, bâtiments et même véhicules assurés par une mutuelle. En 2013, c'était inédit et assez incroyable. La promesse de Rockstar est tellement incroyable que le lancement de GTA Online sera une catastrophe en raison d'un nombre de connexions très élevé. Il faudra attendre le milieu du mois d'octobre pour commencer à avoir des serveurs stables permettant aux joueurs de faire le prologue de GTA Online. Le 19 novembre 2013, la première mise à jour gratuite arrive avec le pack plagiste qui rajoute 2 véhicules, 3 armes et quelques vêtements. En soi, cela ne rajoutait vraiment pas grand chose. Mais là encore, à l'époque, c'était assez dingue d'avoir du contenu gratuit qui, à l'époque, suffisait pour nous satisfaire pendant plusieurs semaines. Au cours du mois de décembre, Rockstar gâte les joueurs en publiant 2 nouvelles mises à jour avec l'éditeur de contenu proposant aux joueurs la possibilité de créer leurs propres courses et leurs propres affrontements. Et encore une fois, Rockstar innove pour proposer quelque chose d'assez incroyable sur console permettant à des créateurs de créer des épreuves et de les partager dans le monde entier. Rockstar publie également la mise à jour du mode capture pour ajouter un nouveau mode de jeu à GTA Online. Mais la véritable surprise arrivera le 24 décembre à la veille de Noël. Los Santos et Blaine County recouverts d'un joli manteau blanc. La neige arrive à Los Santos pendant 48 heures
pour le plus grand bonheur et la plus grande surprise des joueurs. Rockstar réitéra l'opération le 31 décembre et le 1er janvier. Le 14 février 2014, à l'occasion de la Saint-Valentin, la quatrième mise à jour de GTA Online arrive. Là encore, il s'agit d'un petit pack rajoutant seulement une voiture, une arme et plusieurs vêtements. Mais une fois encore, à l'époque, c'était incroyable et les joueurs étaient comblés. D'autant plus que Rockstar préparait encore plus gros. 6 mois après le lancement de GTA Online, il était temps de passer à la vitesse supérieure avec les premières grosses mises à jour. En mars 2014, sort le pack Business qui rajoute cette fois 4 véhicules, 2 nouvelles armes et de nombreux vêtements avec pas moins de 14 nouvelles activités. 2 mois plus tard, au mois de mai, c'est la mise à jour Vie de rêve qui rajoute 4 nouveaux véhicules, de nouvelles armes et la possibilité d'avoir 2 appartements. 1 mois plus tard sort Hipster Toi-même et avec une nouvelle fois du contenu bien généreux avec cette fois 7 nouvelles voitures. Au même moment, Rockstar annonce à l'E3 l'arrivée de GTA V sur les nouvelles consoles PS4 et Xbox One, mais également sur PC. GTA Online connaît son premier gap. Rockstar en a terminé avec les petits packs et propose de vraies mises à jour avec du contenu assez conséquent, du moins pour l'époque. D'autres mises à jour arriveront par la suite comme l'école de pilotage de San Andreas et la festive surprise 2014 avec le retour de la neige à Los Santos. L'année 2015 commence sur les chapeaux de roue avec l'arrivée des fameux braquages attendus depuis plus d'un an. Il s'agit de la plus grosse mise à jour jamais sortie sur GTA Online depuis son lancement avec un contenu colossal et là encore totalement gratuit. 3 mois plus tard, Rockstar publie la double mise à jour du crime P et se prépare à faire évoluer son jeu. Le 15 septembre 2015, Rockstar annonce la fin des mises à jour sur PS3 et Xbox 360. Rockstar a pour ambition de faire évoluer GTA Online et proposer des mises à jour encore plus conséquentes. 1 mois plus tard, le 20 octobre 2015, la mise à jour Lowriders débarque et proposera pour la première fois un nouveau bâtiment avec le garage Benny's. Nouveau véhicule, nouvelle mission, avec pour la première fois des cinématiques et une histoire qui donne l'impression d'avoir un GTA solo. Rockstar innove et commence la transformation de son jeu. La communication évolue également. Jusqu'à maintenant, Rockstar annonçait les mises à jour le jour J par l'intermédiaire de communiqués de presse avec 2 ou 3 images pour illustrer les nouveautés. Par moment, on avait le droit à de mini-vidéos pour dynamiser les communiqués de presse sur le site de Rockstar. Avec Lowriders, Rockstar crée de véritables trailers pour annoncer les mises à jour et mettre en avant le côté scénarisé de ces mises à jour. Encore une fois, GTA Online montre qu'il n'est pas un simple mode en ligne de GTA V, mais un véritable jeu à part entière et indépendant. La firme étoilée accompagne la sortie de la grosse mise à jour Lowriders avec des packs modestes comme la mise à jour d'Halloween et de nouvelles activités comme Passage en Force ou encore Tapas de Balles. Mais le 15 décembre, Rockstar récidive. Avec Truand à col blanc, la firme des frères Hauser réussit à sortir une nouvelle grosse mise à jour encore plus conséquente que Lowriders. Cette fois, vous n'avez pas qu'un seul bâtiment, vous allez pouvoir devenir le PDG de votre propre entreprise. Vous allez pouvoir être propriétaire de votre yacht, mais aussi de vos bureaux de PDG, de gérer votre organisation criminelle. GTA Online fait un pas en avant et commence tout doucement à s'approcher des métaverses sans que personne ne s'en rende compte, puisqu'à l'époque, personne ne connaissait l'idée des métaverses. À ce moment-là, GTA Online est censé être un jeu éphémère, voué à s'arrêter. Take-Two annonce aux investisseurs que le jeu est voué à s'arrêter pendant quelques années. GTA Online devrait se mettre au repos pour repartir encore plus fort plus tard. La maison mère de Rockstar nous fait comprendre que le jeu évoluera et reviendra encore plus fort au moment de la sortie du prochain opus de la série GTA. Ce que personne n'avait prévu, encore moins Take-Two, c'est que la nouvelle direction de GTA Online avec les nouvelles mises à jour comme Lowriders et Truand à col blanc vont révolutionner les jeux en ligne. Ce contenu très conséquent, proposé gratuitement avec de nombreuses possibilités, vont proposer une immersion sans précédent aux joueurs. Cela plaît et cela va attirer de plus en plus de joueurs qui vont lancer leur carrière criminelle à Los Santos. 2 ans après la sortie de GTA V et de GTA Online, les ventes ne stagnent pas. Mieux encore, elles s'envolent et GTA Online attire de plus en plus de joueurs. En 2016, Rockstar continue sur sa lancée. Lowriders Partie 2, Haute Finance et Basse Besogne, Casse-cou jusqu'au bout, Moto, boulot, bobo, ou encore import-export. GTA Online a le droit à 13 nouvelles mises à jour gratuites, dont 4 grosses mises à jour qui rajoutent à chaque fois une flopée de contenu inédit supplémentaire. Rockstar adopte une nouvelle stratégie avec des packs chaque semaine qui viennent compléter les grosses mises à jour. Ainsi, sur l'ensemble de l'année 2016,
les joueurs de GTA Online auront le droit à 11 packs additionnels pour un total de 24 mises à jour gratuites sur l'année, soit un DLC toutes les deux semaines. L'année 2016 sera un tournant dans l'histoire de GTA Online avec la première explosion en termes de fréquentation de joueurs. C'est cette année-là que la décision sera prise d'annuler les DLC solo de GTA V. Une annonce qui sera faite un an plus tard, au mois d'octobre 2017, pour les 20 ans de la série GTA. C'est cette année-là également que la décision de ne pas mettre GTA Online au repos sera prise. Rockstar va continuer sa stratégie et enfoncer le clou. L'année 2017 commence sur les mêmes bases que 2016 avec de nouveaux packs mais aussi de grosses mises à jour avec trafic d'armes, contrebandiers, mais aussi et surtout le braquage de la fin du monde. Rockstar commence petit à petit à implanter dans GTA Online du contenu destiné à la base au mode solo de GTA V et va transformer les DLC solo en mise à jour gratuite pour GTA Online. Le mystère de GTA V arrive lui aussi sur le jeu en ligne avec l'œuf alien, la fresque du mont Chiliad, l'arrivée du jetpack et le fameux bunker au cœur du mont Chiliad. En 2017, GTA Online affole tous les compteurs et réalise de nombreux records d'affluence. En 2018, c'est l'événement pour les fans de Rockstar Games. 5 ans après GTA V, c'est la sortie d'un nouveau jeu inédit avec Red Dead Redemption 2. Cette année-là marque un petit coup d'arrêt pour GTA Online avec toujours autant de packs et de petites mises à jour distillées tout au long de l'année, mais moins de grosses mises à jour. En revanche, c'est bien cette année-là que GTA Online va commencer son vrai basculement dans les métaverses. Seulement deux grosses mises à jour en 2018 avec Arena War en décembre, mais surtout Nuit Blanche et Marché Noir en juillet et l'arrivée des fameuses boîtes de nuit. Cet été-là, GTA Online explose tous ses records de fréquentation et réalise des statistiques incroyables. Pour la première fois, de vrais DJ arrivent dans le jeu avec Dixon, The Black Madonna, Solomon ou encore Tales of Us. Le réel et le virtuel ne font plus qu'un. Nous ne sommes pas encore dans le métaverse pur avec des événements réels qui se déroulent en live dans un environnement virtuel, mais les deux commencent à être étroitement liés. De vrais DJ réalisent des prestations dans les différents nightclubs de Los Santos pour le plus grand plaisir des joueurs. Solomon réalisera même le clip d'un de ses nouveaux tubes uniquement à l'aide du Rockstar Editor et de GTA Online. En novembre 2018, Rockstar lance Red Dead Online de la même manière que GTA Online. Là encore, le jeu n'est pas le mode en ligne de Red Dead Redemption 2, mais un jeu à part, une expérience unique qui avait au départ une ambition colossale, encore plus prometteuse que GTA Online. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu pour le second jeu intégralement online de Rockstar. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de ce second jeu impactera GTA Online qui ne connaîtra plus de grosses années comme celle de 2017 avec 4 grosses mises à jour par an. Désormais, Rockstar se contente de publier 2 gros DLC, un en été et l'autre au mois de décembre. En 2019, l'été est le moment idéal pour ouvrir le fameux Diamond Casino de Los Santos afin d'exploser une nouvelle fois les statistiques et créer de nouveaux records d'affluence sur GTA Online. 6 mois plus tard, Rockstar proposera de braquer ce casino avec un tout nouveau braquage largement inspiré du DLC solo qui était prévu à la base pour Trevor et qui permettra encore une fois de réaliser des records de connexion et de nouveaux records d'affluence. Au 31 décembre, GTA Online enregistre sa meilleure année de son histoire en termes de fréquentation. L'année 2020 marquera un deuxième coup d'arrêt pour GTA Online. L'année du Covid, les choses prennent forcément du retard. Le mouvement Black Lives Matter perturbe les plans de Rockstar et la mise à jour de juillet est reportée. Nous découvrons exceptionnellement une petite mise à jour en août avec Los Santos Summer Special. 2 mois plus tôt, Rockstar a surpris tout le monde avec l'annonce encore une fois de GTA V pour une sortie en 2021 sur les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X Series S. Fin novembre 2020, Rockstar commence le teasing de sa nouvelle grosse mise à jour. Depuis quelques mois, des rumeurs évoquent l'arrivée d'une première extension de map sur GTA Online. Et en effet, au mois de décembre 2020, GTA Online passe un nouveau cap. Prenez vos affaires, on décolle en direction de l'île paradisiaque de Cayo Perico. Is this the right place for the party? Can we post? Is there a hashtag? Avec le braquage de Cayo Perico, Rockstar propose aux joueurs un nouveau braquage, de nouveaux bâtiments et une nouvelle boîte de nuit avec un nouveau DJ bien réel qui vient mixer à Los Santos par l'intermédiaire de Moody Man, mais surtout une nouvelle destination. Hélas, Rockstar commence à être limité par la PS4 et la Xbox One,
L'île de Cayo Perico n'est pas vraiment une extension de map et cette dernière ne peut pas être visitée en temps réel par les joueurs. C'est une destination additionnelle séparée de Los Santos. Mais cela apporte du neuf et permet à Rockstar de tester l'engouement des joueurs. Un peu à la manière des extensions de GTA 4 qui permettaient à Rockstar de prendre la température auprès des joueurs, afin de voir si les fans étaient capables de s'attacher à trois personnages différents et s'ils n'étaient pas lassés de rejouer certaines missions avec des points de vue différents. Un test concluant qui leur permettra de préparer le concept de GTA V. Avec le braquage de Cayo Perico, Rockstar testait ainsi les joueurs pour voir s'ils accrochaient à l'idée de découvrir de nouveaux environnements en ligne. Cayo Perico était la première étape, préparez-vous à voyager encore dans les mois à venir et à découvrir des environnements que vous avez déjà connus par le passé. En 2021, Rockstar repart sur les mêmes bases avec une nouvelle grosse mise à jour en été avec Tuning à Los Santos. Puis, le contrat en décembre 2021 avec le grand retour de Franklin Clinton dans GTA Online aux côtés de Dr. Dre qui fait l'honneur d'arriver dans cette mise à jour avec une sélection de musique inédite spécialement conçue et en exclusivité pour GTA Online. Cette fois, nous n'avons pas seulement des personnages connus comme Dr. Dre ou DJ Poof qui interviennent dans cette mise à jour, mais nous avons carrément une création artistique qui est disponible en exclusivité dans un jeu vidéo. Un peu comme le rappeur Booba qui s'oriente vers les nouvelles technologies pour proposer un nouveau son uniquement disponible sous forme de NFT, Dr. Dre fait le choix des jeux vidéo pour mettre en ligne ses nouveaux sons. C'est historique puisque cela doit être la première fois de l'histoire du divertissement que cela se produit. Plus fort encore que Fortnite qui propose des concerts de Marshmallow ou encore Travis Scott, ou encore de la présentation de la nouvelle bande-annonce de Star Wars. Ces événements-là ne sont pas des exclusivités Fortnite. Travis Scott avait déjà organisé des concerts ailleurs que dans le jeu vidéo et la bande-annonce de Star Wars était également diffusée en live ailleurs que sur Fortnite. Ce qui était historique à l'époque, c'était de pouvoir y assister en live dans le jeu. Avec cette nouvelle mise à jour de GTA Online, Rockstar va plus loin puisque la firme étoilée et Dr. Dre proposent une véritable exclusivité. Au moment de la sortie de la nouvelle mise à jour, le seul moyen d'écouter les nouveaux sons attendus depuis plusieurs années par les fans, c'était de se connecter sur GTA. Bien entendu, l'exclusivité n'est que temporaire et les nouveaux sons seront très vite disponibles sur les différentes plateformes de streaming comme Apple Music, Spotify ou encore Deezer. Mais au moment du reveal, le seul moyen, c'était GTA Online. Plus que jamais, le réel et le virtuel ne font qu'un. Mieux encore, Rockstar permet aux joueurs de voir Dr. Dre à l'œuvre dans les studios Records A. Ainsi, les joueurs ont même le droit à une sorte de making-of pour voir Dr. Dre composer et réaliser les sons inédits présents dans GTA Online. Complètement dingue. L'annonce de GTA V sur PS5 et Xbox Series X, Series S n'est pas un hasard, et ce n'est certainement pas pour les aventures de Michael, Franklin et Trevor que Rockstar fait cela. Si GTA V arrive sur Next Gen, c'est uniquement pour ne plus être bridé par les PS4 et les Xbox One et pouvoir réaliser des mises à jour encore plus grosses, repoussant les limites techniques sur Next Gen. C'est pourquoi GTA Online va s'émanciper totalement de GTA V pour devenir un stand-alone que les joueurs pourront acheter sans être forcés d'acheter GTA V. Cela explique pourquoi il y a si peu de communication autour du jeu. On imagine d'ores et déjà que le jeu n'est qu'un prétexte et que tout l'intérêt de Rockstar résidera dans la possibilité avec GTA Online. Bien que le retour de Franklin peut nous apporter quelques espoirs. En effet, pour la première fois de son histoire, Rockstar fait de nouveau appel à un personnage principal pour tourner de nouvelles séquences de motion capture, pour tourner de nouvelles lignes de dialogue et de nouvelles séquences. Ce n'était jamais arrivé jusque-là puisque même pour les DLC de GTA 4, tout avait été développé au même moment pendant la production du jeu en lui-même. Si Rockstar fait revenir Sean Fontenot en studio pour tourner des séquences pour GTA Online, peut-être que Ned Luke et Stephen Hogg, les interprètes de Michael et Trevor, sont eux aussi revenus pour de futures mises à jour et que l'on peut peut-être espérer quelques séquences inédites pour faire plaisir aux fans de GTA V et aux fans des aventures solo. Même si bon, sur ce point, vaut mieux ne pas trop s'emballer. De même, il ne faut pas s'attendre à une arrivée de Cayo Perico, du Diamond Casino ou encore du Garage Beniz en solo. Avec l'émancipation de GTA Online, Rockstar souhaite faire comprendre aux joueurs que GTA V et GTA Online sont deux jeux totalement différents. Les jeux sont liés, mais ils sont deux titres différents. Nous avons le droit à des éléments de GTA V qui arrivent dans GTA Online comme des personnages, des lieux, la map et l'environnement. Mais depuis 2013, aucun contenu de GTA Online n'est arrivé dans GTA V. Il y a de grandes chances pour que GTA Online devienne le Warzone de Rockstar. À chaque sortie d'un nouveau Call of Duty, des éléments du nouveau jeu arrivent dans Warzone. Pourtant,
aucun élément de Warzone n'arrive dans le nouveau Call of Duty. C'est à sens unique et c'est ce qui est en train de se passer dans GTA Online. Il y a de grandes chances pour que de nombreux éléments de GTA 6 arrivent dans GTA Online. Idem pour GTA 7 dans de très nombreuses années. Mais il y a peu de chances pour que tout le contenu de GTA Online soit présent dans GTA 6. De ce fait, il y a très peu de chances que le contenu de ce jeu en ligne, avec le garage Beniz, le casino, les boîtes de nuit ou encore l'île de Cayo Perico, soit présent dans le solo de GTA 5 Next Gen. Et si jamais c'est le cas, ce sera bien en tant qu'ultime cadeau pour les fans et pour dire un au revoir en beauté au Los Santos de GTA 5. Avec les mises à jour, le braquage de Cayo Perico et le contrat, Rockstar a fait prendre un nouveau tournant à GTA Online concernant le gameplay. Désormais, il est possible de jouer à l'intégralité de ces deux mises à jour en solo. Vous n'êtes plus obligé de jouer à plusieurs. Cette option, qui peut paraître banale pour certains, est sans doute un élément crucial qui montre vers quoi se dirige GTA Online, mais aussi et sûrement la licence GTA dans sa globalité. Désormais, GTA Online n'est plus un simple jeu multijoueur, mais aussi un jeu en ligne dans lequel vous pouvez jouer seul. Et d'un autre point de vue, GTA Online est un jeu solo dans lequel vous pouvez jouer à plusieurs. GTA Online dispose désormais de tous les éléments d'un jeu, d'un service, un contenu régulièrement mis à jour et étoffé, des missions scénarisées avec une vraie histoire que les joueurs peuvent découvrir seuls ou à plusieurs. Et si l'avenir de la licence GTA, c'était ça? Dans les prochains mois, et avec la sortie de la version Next Gen, GTA Online va prendre encore plus d'ampleur et risque de grossir de manière exponentielle. Cela pourrait permettre à Rockstar et Take-Two d'engendrer encore plus de revenus et de faire exploser le nombre de joueurs. Cela permettrait aussi aux équipes de travailler sur d'autres projets, dont le prochain GTA 100% solo. À partir de là, plusieurs options peuvent s'offrir à Rockstar. La firme pourrait développer de nouveaux opus de GTA, légèrement moins ambitieux, qui pourraient arriver tous les 4 ou 5 ans, rajoutant à chaque fois de nombreux contenus à GTA Online, dont de nouvelles villes et de nouvelles possibilités. Et pourquoi pas le développement de spin-off qui pourrait se dérouler sur les mêmes maps que celles qui sont d'ores et déjà présentes sur GTA Online. Aujourd'hui, le mode en ligne d'un jeu est aussi important que la partie solo. Avec un GTA Online qui évolue seul de son côté, Rockstar s'enlève une énorme charge de travail et pourrait donc accélérer le développement de ses projets annexes, ou de ses jeux solo, du côté de la licence GTA. Pour le moment, il est bien trop tôt pour évoquer ces points. Une chose est sûre, GTA Online a profondément bouleversé l'histoire de Rockstar. Depuis 2013, le service ne cesse de prendre de l'ampleur et nous ne sommes qu'au début de cette révolution qui va continuer de marquer l'industrie du jeu vidéo dès l'année 2022.